Bref. Bravo. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Quoi qu'on a pu dire, moi je te propose qu'on aille dormir parce que là il va bientôt faire nuit. Et demain matin, demain matin c'est demain matin. Et vu le monde de dingue qu'on est atterri, bah on risque d'avoir de la compagnie. Qu'est-ce que t'en dis, petit? Je veux bien, oui, dormir. Ma maman m'a toujours dit Ouais, tais-toi. Ta maman t'a toujours dit de te coucher à 9h, il est 7h. Au moins, ta maman ne serait pas con sera contente. Ouais, bref. Le grand-père, il est en train de dormir, c'est nickel. Tu crois pas qu'on devrait le traîner jusqu'à la tente? Pourquoi ça? Bah, en fait, il va pleuvoir ce soir. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, regarde les nuages. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Tu peux pas le faire, toi? Ouais. Voilà. Et nous, je te propose bah, qu'on lâche nos armes. T'inquiète pas, ils sont protégés par un voile. T'inquiète pas. Allez, je te propose qu'on aille dormir. Ouais, je te demande aussi. Ouais. Ouais, dormir. Ah, le gamin aussi, il faut le traîner. Ah. Pendant la nuit. Oh, eux, ils sont là. Mon maître va être content. Ah. Oh, champ magnétique. Bon, très bien. Il ne supportera pas mon arrivée. Oh, très bien. Alex, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Où ça? Où ça? J'ai fait mes devoirs, j'ai fait de quoi? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ah, je viens juste t'avertir d'un truc. D'accord. Qu'est-ce que tu veux m'avertir? Qu'un danger court autour de toi. Un danger? Quel genre de danger? C'est quoi ce bruit? Un portail rouge s'ouvrit. Une licorne et un grand-père. D'accord, t'essaies de me faire peur ou quoi? Parce que ça fait pas peur. Maître, il n'est pas encore prêt. Je vois, je vois. Tu n'y as rien dit, j'espère. Non, maître, je ne lui ai rien dit. Très bien, c'est pas encore mon moment. Qu'est-ce que c'est, son moment? Non, rien. Tu ne dois pas savoir ce que c'est. Parce que je sais pas. Non, tu ne dois pas savoir. Tu vas me dire ce que c'est. Non! Allez, tu vas me dire, s'il te plaît. Non, 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 Alex, ne me force pas, s'il te plaît. Ne me force pas. Si jamais tu ne parles pas, je te préviens. Tu n'oseras pas. Après tout ce que tu nous as fait subir, j'oserais. Non, s'il te plaît, Alex. Un, deux. Non, non, c'est bon, je vais tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. En fait, je n'agis pas tout seul. Comment ça, tu n'agis pas tout seul? C'est bien toi qui nous as fait tout ça, non? Oui, effectivement. Mais j'agis sous les ordres de quelqu'un. Et c'est qui ce, entre parenthèses, quelqu'un? Tu as osé en dire trop. Tu vas le payer. Désolé, ça ne marche pas sur moi. Reviens vers nous. Tu dois. Notre maître t'attend. Mais je. Non, je ne dois pas. Je dois tout lui avouer. Tu ne lui avoues, tu ne lui diras rien. Je lui dirai tout. Il s'évapora. Attendez une minute, s'il vous plaît.
c'est bon. Et j'ai fait une bosse l'idée et vais dormir. Ah, un mouche. T'es où? Oh, gamin, t'es énervant, tu suis là. Gars, méchant. Bonsoir les gars, bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait d'Alex? Mais je n'ai rien fait. Écoutez, non, tu veux le tuer, c'est ça. Mais on t'empêchera. Oui, on va faire ce qu'il a dit, lui. Ouais, c'est ça. On va faire ce que j'ai dit. On va le détruire, si tu veux détruire Alex. Non, écoutez, non, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Je ne suis pas contre vous. Regardez, il guérit ça, Alex. Ah, vous êtes déjà réveillé? Bah ouais, bah parce que lui il voulait te détruire. Ah non, lui il voulait juste pas me détruire, il m'a sauvé. What? Il t'a sauvé? Mais c'est pas possible, c'est ton ennemi. E-N-E-M-I-N-I. Enfin un truc comme ça quoi. Ennemi. Ouais. Non, je ne suis pas votre ennemi, écoutez. En vrai, je me suis fait manipuler. Oui, bah je t'écoute. Manipulé par qui? Je m'absente quelques secondes. Enfin, je dois m'absenter si vous voulez. D'accord. Bonjour. Je viens vous dire que si vous arriviez à me passer sur le corps, vous arriverez à savoir la vérité. Ou sinon, une guerre va se faire. Très bien. Non, Alex, s'il te plaît, je m'en charge. Mais t'es trop faible. Non, ça va. Même si j'ai pas d'armes, souviens que je suis un des gardiens. Oui, mais si jamais tu meurs, on pourra jamais retourner dans notre monde. Quoi? Mais comment tu sais que je... Enfin, bref. Viens, on va se battre. D'accord. Oh. Mémé. Aïe. Enfin, je veux dire... Bye bye. Oh. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai juste injecté un petit somnifère qui peut être fatal si vous me battez pas. Espèce d'imbécile. Ouais. Si tu crois pouvoir me battre avec ce genre d'attaque, tu te trompes. Boule de feu et boum. What? Théo? C'est quoi ça? Bah je sais pas. J'ai juste voulu faire un truc et ça s'est fait. Je me suis pris par la panique et c'est apparu. Ah, d'accord. Très bien. Je pense que tu as des pouvoirs similaires ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous avez réussi à battre mon double. Oui, j'ai battu ton double. C'est toi? J'ai battu ton double. Enfin, ton double? Comment ça, ton double? Bah, en fait... Ouais, c'est ça ton double. Je vais tout vous avouer. Et la suite, dans un prochain épisode.